on met en avant la personnalité des acteurs. Donc pour moi, c'était clair que ce qu'on doit d'abord développer, c'est la personnalité qui voit le monde artistiquement. Et pas du tout qui récite bien de Shakespeare, du Racine ou de Molière. Ça vient après. Ça vient quand tu sais qui tu es. Donc je crois que notre façon de former les élèves, c'est les apporter la plus grande chose qui existe, c'est eux-mêmes à eux. La pratique est toujours plus forte que la théorie. L'inspiration et la diction, et la technique de théâtre, la technique de cinéma, et l'expression corporelle, et la relaxation, et le rapport, et l'attitude, et le silence. Mais surtout, on apprend que pour créer, il faut être. Je crois que les gens ne se rendent pas compte que ne joue pas devant une caméra, on joue avec la caméra, c'est notre partenaire. On a tous les outils techniques dans cette école pour faire du vrai cinéma. C'est tout ensemble, et aussi parce que chaque poste a une personne et que nos acteurs savent qui fait ça et qui fait ça et qu'ils peuvent commencer à discuter un langage cinématographique. L'école montre le chemin, elle te donne les armes. Ça veut dire la technique, le savoir. Mais surtout, un bon acteur, c'est celui qui sait utiliser ce savoir et qui sait utiliser ses armes. Et on a de très belles promesses dans notre école.